Bonjour à toutes et à tous les amis! Et on se retrouve pour le dernier épisode de cette carrière, la Whirling Management, avec Nunéaton. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Avant de parler de tout ça, on va commencer par regarder le calendrier depuis qu'on s'était quitté face à QPR. Alors, Ipswich, 4 buts à 3 avec doublé de Jordan Cook, Fenton et Trotta. Après cela, on commence une mauvaise période qui va en fait... Comment dire, nous orienter vers justement une certaine épreuve très compliquée, mais vous allez voir après. Un partout face à Nottingham, donc grâce à Piazion. Après on fait un 0-0 contre Millwall, deux partout contre Huddersfield avec Saville et Doucara. On a commencé à avoir beaucoup de blessures, par exemple notre gardien Glover qui est blessé, donc on a dû mettre George Willis. On perd 2-1 contre Wolverhampton. On fait 0-0 contre Hull City, on gagne finalement, on revient un peu, ça fait 2-0 contre Blackburn grâce à Piazon doublé. Et on perd 2-1 contre Derby. Et donc on se retrouve pour le dernier match face à Leicester, dernier match de championnat, mais surtout match qui va nous dire si on sera barragiste ou non. Pourquoi ? À cause de nos conneries, on ne s'est pas assuré une place, on a seulement 2 points d'avant sur Sheffield, qui peut encore nous souffler la place à moi, Brighton, Leicester et Brentford. Bon, West Brom et Middlesbrough, c'est fait. Middlesbrough est champion, 101 points. Et nous, voilà, on est là. Voilà. Attention, ça va pas être simple. C'est le match de la peur. J'aurais bien voulu l'éviter celui-là, mais on n'a pas le choix. Alors bien, depuis le temps, j'ai réussi à convaincre certains joueurs, on a fait jouer certains, mais Whitehouse, lui, est pas content. Mais il se fout un doigt dans les fesses pour rester poli. Bon, pour ce match, voilà, on fait sans solaire suspendu. Hossegni est bien revenu, hein, il a dépassé Kikbou. Mais bon, voilà. Voilà, pour ce match, ça va être très compliqué. Mais on y va. On est parti, c'est le match de notre destinée. Est-ce qu'on sera qualifié pour les barrages ou alors est-ce qu'on arrêtera cette carrière sur une petite déception de pas pouvoir ne pas avoir pu se battre jusqu'au bout pour monter, pour essayer de monter en première ligue avec notre tout petit club de Nunéa. On va essayer et c'est parti donc pour le match ultime. Le match ultime du championnat. Est-ce qu'on va aller en barrage? Est-ce qu'on va aller nulle part? On le saura après ce match. On fait un match nul, on est au barrage. On gagne, on est tranquille. On perd, là il faudra pas que Sheffield ait fait mieux qu'un match nul. Voilà les quatre figures sur lesquelles on doit se baser à l'issue de ce match. Sarmiento, allez Evans. Pourquoi pas Robert, Sarmiento, très bon centre, c'était un centre-tir. Sarmiento, premier but de la saison et pas n'importe lequel. Et surtout pas n'importe quel moment, grâce à Sarmiento et son centre-tir. C'est un génie. Quel génie ce gars-là, il nous envoie en barrage. Pour le moment, merci Sarmiento, un tir encadré. Bravo bonhomme, grâce à ce gars-là, on y va pour le moment. Et le match pas terminé. Allez, on reste concentré. Et oui, voilà, vous voyez. Ah non. Oui, justement, c'est Sheffield Wednesday qui vient d'ouvrir le score. Attention, ils ont ouvert le score. On doit absolument ne pas perdre. Ah, par contre, Piazza ne fait pas un gros match. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je m'en fous? Le chrono, il tourne. Il tourne en notre faveur. Ouais, par contre 6-3 à la mi-temps on va bouger un peu le bonhomme parce que franchement c'est vraiment pas ça du tout, c'est vraiment pas bon. Ouais bah t'es touché sous pression, bouge ton cul feignasse. Bordel, c'est pas possible celui-là alors. Faut te bouger le cul hein du con. Et oh. On rigole pas là aujourd'hui là. Allez, deuxième période. Il faudrait mettre un deuxième but pour vraiment être tranquille parce que bon 1-0 c'est rien du tout là. Robert ça prend un coup, ouais. Et l'autre qui continue à faire son match dégueulasse. On va continuer de lui gueuler dessus. À ce gros fainéant. Bouge ton cul. Attention Maxime. Et ouais, mais non. Et oui.
Fais chier, Nordol Botchin. C'est comme, allez, c'est comme Sarmiento, il choisit son match pour marquer ce con. Et 6-1. Oh, Piatone. Non, non, tu sors. Tu sors. Non, non, tu dégages. Franchement, c'est le premier match où il me déçoit terriblement. Et surtout, c'est pas le bon moment pour me décevoir, pauvre tâche. Non, je rigole, mais bon, franchement, c'est con de faire un vieux match, surtout dans un match, on va dire, le plus important de l'histoire du club. Bordel. Allez, pour l'instant, on y est quand même avec ce match nul, on est quatrième. Allez, on est tranquille pour l'instant, mais enfin bon, tranquille, tranquille, mais sous pression. Tranquille, mais sous pression. Allez, allez, on y croit, quelques secondes. Hein? J'ai mis combien de place qu'on descend? Cinquième. Oh merde. Allez, les dernières secondes, est-ce qu'on va en barrage? On va le savoir tout de suite. Un partout. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Oui, on y est! On va en barrage pour monter en première ligue. On y va. Et on accompagne avec nous Leicester. Sheffield n'aura pas réussi à gagner finalement. Ils ont fait match nul. Merci Leeds, merci. Et ben voilà, le championnat est terminé. La phase la plus dure. Alors apparemment on a pris une amende. Sûrement pour les cartons jaunes. C'est ça. Bon, on s'en fout. Le rideau il tombe. Voilà. Allez, résumé du championnat. On va donc accompagner Brentford et Brighton et Leicester en barrage. Sheffield reste là, à la place du con. Blackburn, Rotherham et Leeds descendent. Donc meilleur buteur de la phase de championnat, Thomas Benz devant Hooper et James Wilson. Pour les passeurs, ça sera Colin Roberts et Brown. Pour les gardiens, Wells Colombi et Darlow. Mauvaise stat pour Soler. 13 cartons jaunes, il est dans les 3 premiers. Bon bah les amis, nous on se retrouve pour la première demi-finale. Et finalement, cet épisode sera pas le dernier. Allez, à tout. Voilà donc pour la demi-finale aller de cette Skybet Championship. La demi-finale aller face à Brighton, qu'on va essayer de gagner. On y va, on est parti. On va se donner à fond. On peut y arriver. On va pouvoir le faire. Allez, on y croit. Allez, on donne tout et puis ben on regrette rien. C'est parti. Première demi-finale, la phase aller. Des barrages ou playoffs si vous préférez. Allez Robert, c'est le bon ballon pour Piazza, c'est pas grave, fortune, ce n'est rien, c'est la touche. Allez. Attention, faudrait. Non, pas sur ce corner. Allez. Faut récupérer ce ballon, bordel. Sacrifiez-vous. Attention. Allez, ils ont le ballon. Hydra, Grimms, attention. Oh mince. Oui. Pour l'instant, ça, on tient bon. Il tient... Malheureusement, en face, ça tient aussi. Ouf, heureusement, c'était pas dedans. Allez. Ça DB, c'est bien avec Long. Pour fortune. Kazan! Putain, c'est pas possible. Allez. Elle va rentrer cette balle. Bon, ça se calme un petit peu là. Quand même pas un but de leur part. Et ta cousine. Fais chier, Maurice. T'emmerdes, franchement. Punaise. Je suis personne de Browning, et eh oui, mais. Bah ouais, personne. Personne au marquage, bordel de chiasse. Voilà, merci. Bougez-vous le cul en deuxième période, bordel. Arrêtez de jouer mal, jouez mieux. Ça va peut-être plus pratique, ouais. Pour bah, peut-être gagner ce putain de match.
Allez, au boulot maintenant et on égalise. On fait pas chier. Hein. Oh, c'est pas vrai ça, quand même, allons. Allez. Ah, on peut y arriver, bordel, on peut le faire. Allez, on en est capable. On est capable d'égaliser. Allez, on peut le faire. Ça revient tôt. Allez, bon ballon, pourquoi pas? Allez, Robert, vas-y. Robert, voilà, c'est mieux, Fortune. C'est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est du foot. Merci. Ça c'est une action de foot. Voilà, allez, on continue. On évite de prendre un but. Éviter de... Non, voilà. Voilà, allez, on repart, on repart. Tranquille, tranquille. Y a le temps. Arrêtez de perdre ce ballon de façon stupide. Voilà. Revenez derrière si le... Ou par contre, Roberts, vas-y, pourquoi pas. Roberts, Roberts. Voilà. Te chie pas dessus, bonhomme. Te chie pas dessus. T'as raison. Le 2 buts 1. Oh, quel ballon de Piazza. Et l'autre, il est parti en mode fusée. Chut. Il a mis le turbo. Voilà, DRS, pouf. Petit ballon. Magnifique. Allez, 2-1. C'est bien. Voilà. Et attention, ils vont peut-être répondre, c'est con. Attention, Wilson, il n'y a personne dessus. Concentrez-vous, bordel. Attention, ce corner, il est très dangereux. Oh, allez, allez, dessus, mais oui, mais non, heureusement. Et ouais, personne dessus pour sauter, pour essayer de dévier ce ballon. Bon, encore, si c'était pour le dévier dans les buts, là, bon, non. T'es peut-être pas utile, non. Allez, on mérite la victoire, bordel, allez. Et le chrono. Avance ou alors on met le 3-1. Bordel. Allez. Tendez une souris. Allez. Allez le chrono. Tu vas tourner, nom d'un chien. Allez. Mais on s'en fout. Avance. Avance. Plus vite. Stop. Changement. Bah, faut bien faire de changement quand même. Hein, c'est pas des machines, mes joueurs, bref. Pas des machines, ouais. Pas franchement, ouais. C'est pas des machines, mes joueurs. Ouais. Allez, vas-y, vas-y, avance, avance, avance. On t'en bat les couilles, ouais. Allez, ouais, ouais. Vas-y, 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 le chrono, ouais. Pas chier. Pas yesh. Vance. Ça bientôt. Vance. Allez, bordel. Siffle l'arbitre. Voilà, victoire au match aller. Ça, c'est bien. Voilà, le comeback, comme on dit. C'est bien. T'as raison, petit bonhomme. T'as raison, petit bonhomme. T'as raison, petit bonhomme. Voilà. Je sais plus, il y avait quelqu'un qui était pas à mon compte. Ah oui, Waito, c'est vrai. Bon, on s'en fout de ce con. Bon, bah les gars, nous on se retrouve pour le match retour, le dernier match de l'épisode. Allez, on se retrouve pour le dernier match de cet épisode et pas n'importe lequel. Le match retour des demi-finales de playoff. Nom d'une souris. On peut y arriver, on peut le faire, on peut gagner. Allez, on y va, on est parti. Allez. On peut réussir à gagner ce match. Les bookmakers n'y croient absolument pas, mais moi je m'en bats les couilles. On défie tous les pronostics depuis le début de la saison. On a fait le yo-yo dans le classement entre la 16e et cette place-là, enfin la place qu'on a obtenue à la fin du championnat. Allez, c'est parti pour cette demi-finale retour à Brighton cette fois. Allez, il faut réussir à faire un résultat pour passer en finale. Robert. Ouais. Allez, on fait vraiment pas les cons. On se concentre et ça ira. Corner, Piazon. Saccord de retour. Piazon. Robert! Il marque au match aller, il remarque au match retour. On va l'appeler l'homme des barrages. Man of the playoff. L'homme des playoffs. Il est là. Robert, de son pied droit, ouvre le score pour nous mettre à 3-1. Bravo, bonhomme. Attention à la réponse peut-être de Brighton. Oh bah merci pour le ballon, c'est vraiment sympa de votre part, le gars. Allez, longue. Oui, désolé. Fortune. Oh oui, le doublé. Le doublé. Le doublé de Roberts. On a décidé de leur donner un coup. Le coup de marteau. Après West Ham, c'est Nuneaton qu'on va surnommer le Hammer Time. Le coup du marteau. 2-0, attention, alors là par contre va falloir rester les pieds sur terre. Faites gaffe les gars, Willock, Aïdara. Ouh, mais oui, la réponse a failli être sanglante. Attention. Allez,
Eh hey gars, il faut continuer comme ça. Pour l'instant, on est vraiment tranquille. On peut gérer maintenant, mais pas faire les cons quand même. Hein. Attention. Oh là là, faites gaffe, Sarmiento, faut dégager ça, ça pue. Oui, voilà, non, mais encore, voilà, c'est bon. Non, 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 mais il pue vraiment ce ballon, voilà, c'est ça. Non, non, et voilà, oui, non, non, mais voilà, c'est ça, faut aller le plus loin possible de nos cages. D'accord, oh, le bon ballon pour Robert! Oh! Et la réponse de Fortune, mais c'est pas possible! On a décidé de jouer comme des fous! Avec Fortune, monsieur but! Notre machine! Qui ne va nous rapporter maintes et maintes fortunes? Je sais, la blague était facile à faire, mais il fallait la faire, bordel. 3-0, mais oui! Mais oui, monsieur! Allez! On est on fire! On fire! Et quand même, attends. On enchaîne 5 tirs, 5 cadrés, hein. Y a un truc qui tourne pas rond, là. Ça arrive que très rarement quand on cadre autant. Attention, fortune. Au SADB! Oh là là! Mais c'est pas possible! Ils sont totalement en dehors de leur pompe! Piazon qui marque! 4-0! 6-1 au total, mais que se passe-t-il? Regardez-moi ça! Ils sont totalement à genoux! Incroyable! Et on continue d'enchaîner. C'est quoi cette histoire là qu'on enchaîne nos tirs cadrés les uns derrière les autres là? On va peut-être taper un peu à côté, bordel, c'est pas normal ça! On n'a jamais fait autant de tirs cadrés. Attention. Oh, fortune! Est-ce qu'ils vont le compter comme cadré? Je pense, hein, mais bon. Attention, fortune! Oh là 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 là. On n'arrête pas de tirer. Neuf tirs, neuf cadrés. Non, mais on enchaîne. C'est quoi ce bordel? Bah, dis donc, bravo, hein. Quelle première mi-temps! Waouh! On vient de choper, enfin là pour l'instant on chope notre qualif direct là, hein, tranquille. Hein. On va leur dire pas de pression, hein. Tranquille. Tranquille les gars, hein, pas de pression. Hein. Allez, Sakor, Sarmiento. Sakor, hein, attention les gars, Robert, dans les nuages, ça y est, on a tiré au-dessus. Robert a entendu, il a fait oh ouais, vous avez raison coach, c'est pas normal, voilà, on enchaîne les tirs au-dessus, les tirs à côté. Voilà, il leur a suffi de leur dire pas de pression, ça y est, ils tirent à côté, hein, ils tirent n'importe comment. Le ballon arrive à peine. De 50 mètres. Pouf dans les tribunes. Bon, on va faire quelques petits changements, hein. Donc on y est, bordel. On va faire entrer Slimane, on peut faire sortir Piazon. On est tranquille. Attention. Eh, ils ont failli répondre, les vilains. Fortune. Fortune. Ouh là, taclé. Voilà. Piazon qui sort. Remplacé par Slimane. On profite, on fait jouer ceux qui jouent pas beaucoup. Allez. Hosseini. Tranquille, les gars. Il n'y a pas le feu au lac. Hein. Et Fortune qui repart à l'attaque. Ouh là, attention. Tout va bien. Slimane. Fortune. Robert. Robert. C'est en corner. Pour le tirer, pas très bien tiré, c'est pas grave, ça revient dans les pieds de Sakor. Derrière Sarmiento, non, ça pas de suite hein, sur cette action, mais pas grave. Kikbou, tu vas remplacer Hosseini. On peut faire tourner, on est 20. Oh bah là, franchement, pour qu'il rattrape 5 buts, va falloir le faire. Ouais, va falloir le faire. Hein. Oh bah oui. Allez, là, les dernières secondes. Et notre qualification assurée pour la finale des playoffs. On va le savoir juste après. Face à qui on devra jouer bah, nos deux plus grands matchs de l'histoire de Nuneaton. Pour arriver peut-être dans l'élite du foot anglais. Le petit poussé Nuneaton, Bob Brighton. C'est fait. On va en finale. En finale! De playoffs de championship, bordel. Incroyable, on y va. On va en finale. On va en finale face à qui, bordel? Face à qui? Allez, dites-le nous! Nom d'un chien, il suffit ce suspense. Je veux connaître mon adversaire. Allez! Mais vous allez me le dire, nom d'une souris!
Allez! Je veux savoir mon adversaire. Voilà! Entre Leicester et Brentford. 2-1 pour Leicester au match aller. Qui va passer? Eh ben, c'est Leicester, 1-0. On va réaffronter Leicester, qu'on a fait un match nul à l'épisode précédent. Notre destin, l'histoire de Newton se jouera à Wembley, devant des milliers de gens, toute l'Angleterre, et surtout face à Leicester. Eh ben, on fera ça dans le tout dernier épisode de cette carrière, sur un match, pas n'importe lequel, The Last Match, face à Leicester pour cette finale de playoff. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu. Tout est dans la description pour si vous êtes un petit peu curieux. Curieuse et curieux. À la prochaine les amis pour ce dernier épisode.